Et elle, la goélette rebelle, recherche la tempête, comme si la tempête apportait le repos. Donnez-moi une tempête! Il y aura ce soir plein de toasts et de discours. Commençons donc tout de suite. Buvons à la santé des jeunes mariés. Vive les mariés! Hurrah! Pourquoi pleures-tu? Je suis si heureuse. Belle-maman est émue à l'idée de la séparation prochaine. Mais je lui conseille plutôt de ne pas oublier notre récente conversation. Moi, Nastasia Timofeevna, moi, j'ai toujours souhaité à Danchenka, de tout mon cœur, de trouver un fiancé présentable. Aujourd'hui, chacun ne songe qu'à se marier. Pour la fortune, pour la dot, enfin. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Mais rien, voyons, rien du tout. Voyons. Tout le monde sait que vous, c'est par amour. La dot est insignifiante. En plus de 3 manteaux fourrés, de la literie, du mobilier complet, on donne à notre fille 100 roubles argent. Va-t'en chercher ailleurs une pareille dot? Mais je n'ai rien dit. Les meubles sont très bons. La dot, évidemment. C'est que parce qu'on se vexe, croyant que j'ai fait une allusion au... Eh bien, n'en faites pas! Si on a de l'estime pour vous, c'est à cause de vos parents. On vous invite à la noce et vous, démons. Mais si vous saviez qu'Alexeï Maximovitch se mariait par calcul... Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vous l'avez cru? Merci infiniment. Quant à vous, monsieur Yat, bien que vous soyez de mes fréquentations, je ne vous permettrai pas de créer un désordre. Vous n'êtes pas ici chez vous. Je voudrais vous souhaiter d'être aussi honnête que moi. En un mot, veuillez avoir l'obligeance de sortir. Calme-toi, je t'en prie. Est-ce que ça en vaut la peine? Mais je n'ai rien. Je n'y comprends même rien. Je peux m'en aller, je veux bien. Assis-toi, ça suffit. Bien sûr, quand tout le monde boit, alors forcément. Ça suffit. À la santé de la mère de la mariée, Nastasia Timofeevna. Hurrah! Attendez, mes amis, ne mangez pas. Attendez, minute. Venez par ici, Nastasia Timofeevna, j'ai quelque chose à vous dire. Écoutez voir, le vice-amiral arrive. Je finis par en déchirer un, j'en peux plus. Un vice-amiral, tout ce qu'il y a de plus respectable. Un homme sérieux, 80-90 ans. Mais quand est-ce qu'il arrive? Tout de suite, maintenant. Vous m'en serez reconnaissant toute votre vie. Ah, quel vice-amiral. Un vice-amiral de la flotte, un grand navigateur. Son grade, c'est capitaine de vaisseau. Non, de frégate. Ça équivaut au moins un général dans l'infanterie, vous savez. Tu ne me trompes pas, au moins, mon petit Andrei Andreevitch. Enfin, me prenez-vous pour un filou? Soyez sans crainte, voyons. C'est que je ne voudrais pas dépenser de l'argent pour rien, mon petit Andreevitch. Vous en faites donc pas. Stop la musique, stop! Vous nous avez oublié, votre excellence, que je lui dis. Nastasia Timofeevna vous en veut beaucoup. Et lui, voyons, mon ami, comment veux-tu que j'y aille? Je ne connais même pas le marié. Laissez donc votre excellence. Pourquoi tant de Salam Alek? Le marié, je lui dis, c'est la crème des hommes. Il a le cœur sur la main. Là-dessus, il m'a tapoté l'épaule. Nous avons fumé un Havane, et maintenant, voilà, il arrive! Et quand est-ce qu'il arrive? Dans une minute, tout de suite, il arrive. Alors, il faut qu'on joue une marche, non? Ah oui, une marche. Hé, la musique! Jouez une marche! Monsieur Revounov Karaoulov. Soyez le bienvenu, votre excellence, nous sommes enchantés. Oui, oui, très heureux. Nous sommes de petits gens, votre excellence, des gens simples, mais on est sans malice. Chez nous, on accueille les gens de qualité et on ne regarde rien pour eux. Soyez le bienvenu, votre excellence. Oui, oui, très heureux. Permettez-moi de faire les présentations, votre excellence. Voici Alexeï Maximovitch Apombov, le jeune marié, avec la future, enfin la déjà mariée, la jeune épouse. Ivan Mikhailovitch Yat, de la célèbre famille Yat. Karl Ampi Spiridonitch Dimba, spécialisé dans l'art de la pâtisserie, étranger d'origine turque. Égyptienne. Et ainsi de suite. Prenez place, votre excellence. Ayez cette bonté de vous donner la peine. Repos.
Mangez, Votre Excellence. Il faut nous excuser, vous êtes sans doute habitués à des mets délicats et chez nous, c'est tout simple. Comment dites-vous? C'est tout simple. Oui, 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 bien sûr. Ce matin, Antripovitch vient m'inviter ici à la noce. Comment veux-tu que j'y aille? Je ne les connais pas. Et lui, il reçoit n'importe qui avec beaucoup de plaisir. Bien sûr, s'il en est ainsi, pourquoi pas? Donc ça vient du cœur, Votre Excellence. Mangez, Votre Excellence, mangez. Oui, oui, mais c'est qu'il faudrait boire à la santé des jeunes mariés. Vous ne croyez pas? Vive la jeune mariée! Ouah! Tiens, vous êtes matelot. Pour vous servir, mon commandant. Gabier, au galopant de Quinfoc et de Trinquette. Le matelot, vous en faites pas, lui, il comprend. C'est subtil comme les mathématiques. À la santé de son excellence, Fédor Yakovlevitch Revounov Karaoulov. Tenez, en naviguant par vent arrière, Gabier, aux gambes de Grigue de Brigantine et de Cacatois. Et pendant qu'on baisse les espars, en bas, on embraque les gambes de Brigantine et de Cacatois. Et on borde les drisses. Oui, du commandement, il y en a toutes sortes. Oui, embraquer les gambes de Brigantine et de Cacatois. Larguer les drisses. C'est beau, hein? Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le sens? Mesdames et messieurs? C'est très simple. On redit, si vous voulez, les gambes de Brigantine et de Cacatois. Et quand, comme je vous l'ai expliqué, les écoutes sont redites, on embraque les gambes de Brigantine et de Cacatois et les espars prennent le vent. Fédor Yakovlevitch, la maîtresse de maison vous prie de parler d'autre chose. Les invités n'y comprennent rien, ils s'ennuient. Comment, qui s'ennuie? Parfois, on ne peut s'empêcher de crier « Bravo les gars !» Fédor Yakovlevitch, assez, mangez plutôt. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés pour fêter ce cher anniversaire. Oui, tout cela il faut l'avoir dans la tête. Larguez la bosse de Trinquette. Larguez la brigantine. Faites mais Marguerite, enfin, pourquoi l'interrompre? Si ça continue, on ne pourra pas lancer le flot. C'est bien agréable, jeune homme. On navigue en pleine mer. On ne connaît pas de soucis. Rappelez-vous cet enthousiasme. Dès que le commandement, viré vent devant, a retenti, une décharge électrique traverse tous les hommes. Attention, Votre Excellence, on ne comprend rien à tout cela. Parlez-nous plutôt d'autre chose. Tous sont prêts. Tous les regards sont braqués sur le capitaine. Bras de Brigantine à bâbord. Bras de Trinquette à tribord, exécution. Écoute de Quinfoc. Écoute de Cacatois à bâbord. Le vaisseau suit la direction du vent. Brasseillez, voyez-vous. Le capitaine ne quitte pas des yeux le Cacatois. Lorsque cette voile se met à faciliter, le capitaine, tel un coup de boutoir, larguez la Trinquette, larguez la brigantine. Le virement de bord a réussi. Un vice-amiral qui fait du scandale. Vous devriez avoir honte à votre âge. Non, non, pas encore. Je vous remercie. Je vous dis qu'il faudrait que vous ayez honte à votre âge. Un vice-amiral qui fait du scandale. Je ne suis pas vice-amiral. Je suis capitaine de corvette. Ce qui correspond, d'après le tableau des grades militaires, à chef de bataillon. Si vous n'êtes pas vice-amiral, pourquoi avez-vous pris de l'argent? Quel argent? Comme si vous ne le saviez pas. Vous avez bien reçu, je pense, un billet de 25 roubles de la part d'Andrei Andreevitch. Et toi, mon petit Andrei Andreevitch, ce n'est pas très gentil de ta part. On ne t'a pas demandé de louer un individu comme celui-là. Voyons, laissez tomber. Quelle importance? Louer un individu? Payer? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Permettez quand même, vous avez bien reçu 25 roubles de la part d'Andrei Andreevitch. Mais quels 25 roubles? C'est donc cela. Maintenant, je comprends tout. Quelle ignominie, quelle bassesse! Vous avez pourtant reçu de l'argent. Rien du tout, laissez-moi! Quelle ignominie, quelle bassesse! Insulter ainsi un homme de mon âge, un marin, un officier chevronné! Encore, s'il s'agissait de gens convenables, je pourrais en provoquer un en duel. Mais pas question. Garçon, où est la porte? De quel côté la sortie? Quelle ignominie, quelle bassesse! Mon petit Andrei Andreevitch, mais les 25 roubles, où sont-ils passés?
Oui, pourquoi parler de ces bagatelles? Autour de nous, tout le monde se réjouit. Il n'y a que vous pour parler de je ne sais quelle bêtise. Allez, à la santé des jeunes mariés! Allez, la musique, en avant! Allez, une marche, une danse! À la santé des jeunes mariés!